Les crèmes minceurs sont-elles vraiment efficaces? Beaucoup de gens ont recours à des crèmes minceurs pour maigrir. Les produits amincissants sont-ils réellement efficaces? Peut-on se fier uniquement aux crèmes minceurs pour enfin perdre les kilos superflus qui nous dérangent tant? Réponse avec Catherine Rimbaud, dermatologue et vénérologue à Metz. Les crèmes minceurs pour se sculpter une silhouette de rêve? Les crèmes minceurs ont le vent en poupe en ce moment. Très présents en grande surface, mais aussi dans les pharmacies, les soins minceurs se vantent de pouvoir affiner la taille des utilisatrices. Il existe même des crèmes avec diverses fonctions. Des vertus amincissantes et raffermissantes, effet brûle-graisse, drainage et élimination de la cellulite, entre autres. Certains produits amincissants contiennent également des principes actifs naturels, comme le thé vert et la caféine, connus pour leur effet amaigrissant. À l'approche des vacances, de plus en plus de femmes se tournent vers les soins amincissants et anti-cellulite pour avoir un corps de rêve en maillot de bain sur la plage. L'efficacité des produits amincissants n'est pas prouvée selon la dermatologue. La dermatologue Catherine Rimbaud déclare qu'à sa connaissance, il n'y a pas de preuve d'efficacité foudroyante des crèmes minceurs. Selon elle, la fonte des cellulites graisseuses nécessite des molécules pouvant pénétrer l'épiderme en profondeur, chose que les crèmes minceurs ne peuvent pas faire. Seules les méthodes mécaniques, comme le laser, ont la capacité de faire fondre les amas graisseux. La chaleur du laser a en effet la possibilité de détruire les adipocytes et ainsi d'éliminer les dépôts de graisse par hyperthermie. Par ailleurs, la dermatologue explique qu'il existe des crèmes minceurs à base d'acide rétinoïde qui ont la capacité d'épaissir la peau et la rendre plus résistante aux pressions des globules adipeux. La professionnelle de la peau précise cependant qu'il s'agit de médicaments et qu'il faut une application régulière pendant des mois pour avoir des résultats. Comme le souligne la dermatologue, les crèmes minceurs seules ne sont pas efficaces pour perdre du poids. Pour maigrir, il faut adopter un mode de vie sain, pratiquer une activité physique et avoir une alimentation équilibrée. Où se procurer les crèmes minceurs? Madame Catherine Rimbaud conseille aux utilisatrices d'acheter leurs crèmes minceurs en pharmacie, car elles peuvent être plus onéreuses dans les parfumeries. De plus, les produits amincissants vendus en pharmacie contiennent bien souvent moins d'ingrédients chimiques et nocifs que ceux commercialisés dans les parfumeries. Quelques astuces de grand-mère pour maigrir rapidement. Pour celles qui préfèrent les moyens plus naturels que les crèmes minceurs pour maigrir, il existe des astuces qui vous permettront de perdre quelques kilos. Vous pouvez par exemple boire de l'eau citronnée qui, grâce à son effet détox et diurétique, vous permettra d'éliminer les toxines de votre organisme. Le poivre étant un allié pour la digestion, il permet de brûler les graisses plus rapidement. Par ailleurs, évitez de manger après 19 h pour permettre à votre organisme de puiser dans vos réserves de graisse pendant la nuit.